We have in a year 8 projects. Each project we do with orchestra or ensemble with living musicians. So we have by each section a kind of trial à table. When we don't use the piano, except if we make an opera project or concertos, where sometimes the students have to play the piano, but sometimes we work with repetitors simply. Conductors have the chance to learn and conduct a very wide range of music from the music history. It means from Haydn until Carter. I try to make a system that all the students should alive from the beginning a project until the end of the project, so everybody have to conduct also in concert. I don't give all the classes. We invite also chef. We have a chef invité 4 times in a year, that the students can learn from different point of view. Bonjour. 3 bandes 31 donc. Non, regardez, vous avez déjà oublié une chose. Qu'est-ce qui est important? C'est ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tabirap. Si vous ne faites pas signe, ils le feront. Mais vous ne les encouragez pas à le faire. Hein? Faites ça encore une fois. Pardon. Ah non. Non, regardez, vous savez, c'est trop anxieux. C'est 1, 2, 3. C'est une fille qui séduit. Elle ne séduit pas en vous donnant un coup de poing dedans. Hein? Donc c'est tita, seulement ça au départ, pas trop vite. Oui, mais il faut leur montrer ça. Mais oui, non, vous faites ça comme ça, comme si vous ramassiez un œuf qui est tombé par terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Hein? Comme ça. Moi, je ramasse l'œuf. Allez-y. Un peu plus tôt. Ah. Oui, ça, c'est... Un tararati. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. Hein? Tranquille. Ouais. Encore une fois, depuis le début, allez-y. Il faut que vous soyez beaucoup plus calme que vous n'êtes. Hein? Allez-y. Ah, regardez, au début, vous avez cette sonorité de corps. Laissez-la un tout petit peu plus long. Hein? Faites ça avec moi une fois. Ah. Et là. Oui, hein? Comme ça. Mm-hmm. Prenez des libertés. Hein? C'est, ouais. Hein? Mais je pense que, pour moi en tout cas, je ne prétends pas leur donner une à fond, surtout dans 3 heures ou dans, même si là, comme il y a 12 heures en tout, je ne prétends pas leur donner un viatique pour l'existence, pas du tout. Je prétends seulement leur donner, disons, conscience de moi, ce que je fais, pourquoi c'est efficace, la plupart du temps, et qu'ils trouvent leur gestuelle et leur efficacité d'après ce que je leur ai montré. C'est-à-dire que je leur apprends, à se découvrir eux-mêmes. Alors, à se découvrir eux-mêmes en me découvrant moi. C'est-à-dire, je leur dis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je dis, ne m'imitez pas, trouvez votre geste, mais trouvez le geste qui correspond à ce que vous voulez entendre. Et ça me paraît en effet quelque chose de capital. Parce que le musicien, disons, qui est instrumentiste, qui est à son piano ou à la harpe ou à la clarinette, peu importe, il fait son propre son, sa propre sonorité. C'est lui qui manœuvre sa sonorité. Vous êtes toujours indirect, un chef d'orchestre. Vous êtes indirect parce que vous demandez aux autres de formuler un son que vous ne formulez pas directement. Et donc, il faut une assez grande capacité de persuasion psychologique
pour que d'abord vous n'ayez pas une espèce de résistance, qui arrive quelquefois du reste, surtout dans les œuvres de répertoire. Si certains instrumentistes ont joué beaucoup de fois une œuvre de répertoire, ils s'estiment sur un territoire que personne ne doit franchir pratiquement. Et donc pour le franchir, c'est pas commode toujours, et il faut le faire avec tact bien sûr, mais quelquefois avec force aussi. Et donc il y a une confrontation de volonté certainement par moment. Et c'est pourquoi ça s'apprend aussi. Alors on dit par exemple qu'on peut apprendre à diriger avec deux pianistes qui jouent à quatre mains. C'est faux, parce que ce qu'il y a, c'est non seulement bien sûr les problèmes inhérents à la structure elle-même de la sonorité d'orchestre, mais au fait que vous avez 100 personnes devant vous, et 100 personnes, c'est tout à fait différent de deux, tout simplement. Allez, avancez, avancez. Non. Il faut que vous appreniez à faire du rubato avec les transitions. Parce que là, tout d'un coup, je vous dis avancez, vous courez tout d'un coup. Et vous courez même avec des patins à roulettes, hein, tout d'un coup. C'est un tiraram, un tarita. Et vous commencez déjà à élargir dans la seconde fois, dans la seconde mesure, pour que 1, 2, 3, 4, 1, do, si, mi. Pensez la phrase plus longue. D'accord. Oui, vous dites, je vous dis, bon, accélérez parce que vous faites du surplace, et tout d'un coup, vous déplacez les montagnes. Hein. Alors, allez-y encore une fois. Début, pareil. Oui, oui, parce qu'il faut construire ça. Voyez-vous, oui, c'est le problème. Hein. Pour le moment, c'est un peu dans tous les sens, hein, comme ça. Allez-y. Each bar is a different tempo, and sometimes even in the middle of the bar. You have tempo and metrum changes, which makes this very very difficult. And quite difficult rhythmical structures when you have here the 16 ta ri di da ta ri di da ta ri da ta ri di da ta ri di da ti ra ra ri ra ra ri ra. So you have the 16s, the triplets, the quintuplets, which make a very vivid line, but in fact it's very, 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 very melodical in the same time. So Bartók uses here a rhythmical pattern, which is not a pattern. In fact, it's a very linear way to compose, which express a kind of hurry. And to produce it exactly how it is written, it's not a small job for the conductor and for the players. Qui est gênant chez vous, c'est que tout le corps fonctionne. Ouais. Vous n'avez absolument pas de distance avec votre bras. Mm-hmm. Alors, quand il y a comme un sforzato, comme là maintenant, vous savez, hein, hop, et le corps va avec. Non, pas du tout. Un, deux, c'est ça qui est important, mm-hmm. pas ça. Mm-hmm. Là, que vous fassiez des contorsions avec votre corps, c'est complètement inutile et ça gêne. Mm-hmm. Tandis que si vous le donnez un, deux, ouais, et là, vous aurez un sort de... Parce que là, vous faites tout le corps part avec. Hein? Mm-hmm. Essayez d'avoir de la distance. Disons, la transmission est avant tout d'un message, disons, intellectuel au sens le plus large du terme, c'est-à-dire d'un message pensé, et pas seulement d'un message sonore. Je pense que ça, c'est important. Alors, le message pensé passe par le message sonore, c'est évident. Et c'est pour ça que, quelquefois, je m'arrête tout spécifiquement sur des problèmes physique de transmission. C'est-à-dire, est-ce que je subdivise, est-ce que j'indique un rythme, est-ce que je ne l'indique pas, est-ce que ça suffit si je l'esquisse et que le musicien va comprendre ce que je veux, surtout si je lui ai expliqué ce que je veux. Et c'est ça pour moi ce qui est important, parce que je vois plus on fait de grimaces, moins ça convainc un musicien. Je veux dire, c'est Debussy qui disait, n'encouragez pas les trombones, sans ça ils vont avaler leurs coulisses. Et il y a quelque chose de vrai là-dedans, à mon avis,
C'est-à-dire que quand on exagère la mimique du visage, à mon avis, toutes les forces, justement, au lieu d'aller directement dans la musique et d'aller directement dans, le, dans la gestuelle et dans la gestuelle nécessaire, elles vont dans une espèce de, d'illustration tout à fait superficielle et inutile, tout simplement. Vous êtes un métronome. Tout le monde s'en fout d'être un métronome. Ce qui est vrai, et il n'y a pas de poids, surtout. Yata, yata, tatampi, yata, tatampi. Même avec un bras cassé, moi, je peux le faire. Hein. Et donc, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. C'est bien un, yata, tata, tatampa. Ça, c'est métronémique. C'est vraiment tout. Il n'y a pas d'expression du tout dans ce que vous battez. Essayez de donner de la puissance. Hein. Allez-y. Même endroit. 3 avant, 62. Assez profond. Qu'est-ce qu'on a, que j'ai entendu là, la plupart? Yatatam, pépapam, pépapam, koa. Mais si vous n'indiquez pas, rélodo, yatata, 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 yatata. Hein? Ouais, tu veux ça? Mais il faut le marquer. Ouais, ouais. Sans ça, vous n'êtes pas un interprète. Vous êtes simplement, je vous dis, un métronome. Ça ne sert à rien. Ça sert, mais pour une mesure. Simply, an orchestra is a medium, and this medium has rules. First of all, a conductor should know the métier. For what, why is he standing before the orchestra? It's not because of the end of the concert there is the flower and the virgins are coming and give a kiss on the stage. This is not the goal. The orchestra needs a conductor first of all to bring together in one imagination and to make it possible that this orchestra functionally exists. But the orchestra in fact should already exist before the conductor is arriving. The conductor is not for beat in 4/4 and to give a tempo. Conducting is much, much more. The conducting starts there when a conductor is able to make a kind of order in a direction, to be able to change the orchestra sound, sometimes without speaking. For example, to modificate the arts of the attack, how to play the instrument. I mean, it's a short attack, it's a vertical sound, it's a horizontal, and conducting is not to conduct tempo, conducting is conducting the speed. L'apparition d'un nouveau répertoire dans les années 1910, justement, Stravinsky, Bartok, avec cette idée d'une phraséologie plus à la pulsation et moins à la mesure, et moins en tout cas dans des valeurs plus longues. Est-ce que cela a impliqué une nouvelle direction? Oui, vous avez souvent opposé, justement, dit qu'il y avait des générations de chefs qui n'arrivaient pas à prendre le pli. Non, c'est vrai. Oui, c'est Mais vrai, tout, surtout dans l'éducation germanique en particulier.
disons, la rythmique de Stravinsky a été une rythmique qui a été difficile à apprendre, certainement, qui a été plus difficile à apprendre, je suppose, plus difficile à apprendre que dans un pays où il y avait moins de tradition, une tradition beaucoup moins forte, en tout cas. Je pense que, alors, je ne sais pas, je vous dirais, quand je réfléchis à la première du Sac du Printemps, j'aurais aimé qu'il soit resté un document sur la façon dont le Sac du Printemps a été joué dans les premières exécutions. Parce que c'était une façon d'écrire qui était si peu coutumière, si peu familière aux musiciens, que malgré tout le talent de Monteux, que j'imagine, je ne sais pas comment il se débrouillait, ou alors même avec un bon nombre de répétitions, est-ce que ça a été joué très parfaitement dès le départ? Ça, je ne peux pas vous dire. C'est impossible de savoir. Même Stravinsky ne se rappelait pas vraiment. Il se rappelait pas avec grand bonheur de la chorégraphie de Nijinsky. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Par rapport à la conception du rythme chez Stravinsky, est-ce que vous feriez des analogies entre justement Bartok et Stravinsky à ce niveau-là? However, Bartok was very, very, very informed about contemporary music life. He was exactly informed about Stravinsky and about Debussy, for example. You can follow this in his scores. He used, for example, when Stravinsky composed Les Cinq Doigts, the pieces for piano. After that, he used this kind of pattern in his Microcosmos. So he was informed. We know this, and also in the early pieces, early orchestra pieces, the instrumentation has something from Debussy. It's very, very, very clear. It's touched, but I wouldn't say that between Stravinsky and Bartok there is a really similarity or something. The rhythmical patterns by Stravinsky are based on a kind of mathematical changing of the arithmetic. Yes, but in the Petrushka there are a lot of elements which are folk music. Il faut vraiment, quand vous avez le stringendo, vous avez un stringendo, là, ré, do, si, do, si, ré, do, et vous le préparez, deux, un, yata, ta, 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 pa, pa, pi, yata, ta, ta, un, pa, pa, là, etc. Plus agressif que ça, c'est trop gentil. D'accord. Hein? 3 avant 22, s'il vous plaît. Hein? Sont trop petits. Ah, c'est vrai, parce qu'on dit vos gestes sont très petits. Trop petits, dans ce genre de choses, pas partout, mais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut le faire vraiment que tout. Quand des gens sont là avec leur partie, qu'est-ce que vous croyez qu'ils regardent? Ils vous regardent votre bras de temps en temps seulement. Si vous faites ça, où j'en suis? C'est ça le problème. Ah, oui. Donc, ça augmente aussi la possibilité de l'expression. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et puis un yata, tata, vous faites un peu moins ici, avec les crescendo toujours, etc., mais que ça soit plus démonstratif, hein, sans être caricatural, mais que ça soit plus démonstratif. Que vous, la force que vous voulez, vous le transmettez par votre geste. Le geste,
dans la conduite d'un orchestre, qu'est-ce que je veux entendre? Si je fais ça, je veux entendre quelque chose de tout à fait petit. Si je fais plus fort, je peux entendre quelque chose de plus agressif, plus fort. Oui. Ça dépend de ce que vous voulez entendre. Le geste, c'est pas le mien, vous trouvez votre propre geste, mais il faut que ça corresponde à ce que vous voulez entendre. Si c'est dans l'abstrait, ça va pas. Si le geste est mal fait, et si le geste n'apporte pas vraiment ce qu'il devrait apporter, là, à ce moment-là, le geste est une gêne, en effet. Et c'est pour ça que je dis, en particulier, en partir de Stravinsky, pas auparavant, bien sûr, mais à partir de Stravinsky, ce qui est essentiel pour moi, c'est la géométrie du geste. Parce qu'on sait très bien que le musicien a sa partie à regarder, il ne la joue pas par cœur, et il vous regarde de temps en temps seulement. Donc s'il lève les yeux sur vous à un certain moment, il faut qu'à ce certain moment, il sache absolument où vous en êtes de la géométrie de votre geste. Et deuxièmement, on n'a pas besoin d'être précis en faisant des grandes battues. On peut être précis avec des tout, tout petits gestes, mais qui sont vraiment calculés immédiatement. Et là, ça entraîne une espèce de réaction musculaire des instrumentistes qui réagissent très, très précisément. Encore faut-il qu'ils aient l'habitude de ce genre de gestes. Alors là, vous avez un problème. J'ai entendu ce qu'elle a fait, qui est très bien. Je veux le faire un tout petit peu autrement. Alors je vais lui dire une fois, nous allons le faire ensemble. Hein? Et je vais, sans forcer, mais je vais lui faire voir que les points d'orgue doivent être un peu plus différents chaque fois. Mm-hmm. Parce que là, c'est un peu le ré, ta-da-da-da, ya-da-da-da. C'est-à-dire un peu similaire. Vous allez voir ce que je veux. Vous voulez faire le 31. Ré, fa, do, ti. Ré, mi, sol, si, la, fa, ré, si. Ré, fa, la, do, si. Ré, mi, sol, si, la, ré, fa. Non, à la fin, sol, fa, mi. Hein? Oui, très bien, comme ça. Ça ne vous est pas trop gêné. Oui. C'est plus attractif, c'est plus varié comme ça. Hein? Alors, allez-y, c'est un charmeur. C'est une charmeuse dans ce cas-là. Alors là, vous écoutez. Hein? Non. Si vous avez travaillé, vous la laissez faire, et si c'est un peu différent de ce que vous avez comme vu, vous écoutez, et si ça vous plaît, vous dites rien, vous dites félicité. Si ça ne vous plaît pas, vous dites peut-être on peut changer encore. Voilà. D'accord. 31 encore ? Une exécution est faite de grands panneaux et de tout petits éclats. C'est comme des émaux, si vous voulez, ou des mosaïques exactement. Des mosaïques où il faut quelquefois que les grands panneaux soient mis en place, mais que les toutes petites composantes soient mises tout à fait en place. Sans ça, on n'a pas l'image exacte de ce qu'on doit voir. Et il y a un travail en particulier dans le Petrushka au départ. Il y a un travail de mosaïque. En effet, moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir comment, dans Petrushka, il prévoit des œuvres beaucoup plus tardives. Parce que, par exemple, à comparer du premier tableau de Petrushka, j'entends bien, surtout, le quatrième tableau est une succession d'épisodes, en effet, qui est comparable aux épisodes du Sacre du Printemps, finalement. Le Sacre du Printemps, c'est une série d'épisodes, disons, fermés sur eux-mêmes, avec quelques communications entre les panneaux, mais finalement très, très peu. Tandis qu'au contraire, dans les noces un peu plus tard, ou bien dans les symphonies d'instruments avant, qui ne sont plus un ballet, mais qui sont une forme par mosaïque, ce que j'appelle une forme mosaïque, eh bien, vous trouvez ça dans Petrushka déjà. Et cette espèce d'alternance des thèmes qui ne bougent pas, qui sont un peu plus longs, un peu plus courts, qui ont une métrique légèrement différente, mais il n'y a pas de développement. Et c'est ça qui est très remarquable chez Stravinsky, c'est que dans ses œuvres les plus originales, il n'y a pas de développement, mais il y a des alternances.
l'alternance motif A avec le motif B, l'alternance motif B avec le motif D, l'alternance de D avec A, etc. etc. Et cette espèce de mosaïque avec des thèmes qui reviennent, disons, littéralement, à part qu'ils sont un tout petit peu plus longs, un petit peu moins longs, etc. C'est une façon de composer qui est absolument à l'opposé de le Deutsche Komponieren des Allemands, absolument. Et c'est ça qu'il faut faire valoir, je pense, quand on joue une pièce comme Petrushka. Ce ne sont pas seulement des épisodes qui se succèdent les uns aux autres, mais c'est une grande forme qui se décompose en petits éléments de mosaïque. Vous redonnez un 1 que personne ne comprend parce qu'on dirait que vous donnez deux fois un 1 pratiquement. C'est pour ça que vous avez entendu, oui, je sais. Au lieu de unisson, vous avez senti un canon qui n'est pas écrit. Vous avez 1, 2, tagadagadam, 1, piapam. Regardez, 1, 2, 3 et 1, piapam. Pensez en avant. Oui. C'est-à-dire que pensez 1, 2, 3 et je redescends. Oui. Hein? Est-ce que je peux essayer l'harmonie uniquement une fois, s'il vous plaît, à 126 là, sur cette chose-là, s'il vous plaît? Si Stravinsky était là, cette chose, c'est pas mal, hein? Oui. Ça peut être plus engagé, peut-être. Vous travaillez ça, hein? Oui, oui. Allons-y. Mets-nous Mosso encore, s'il vous plaît. Le solfège devrait beaucoup plus insister sur les rythmes inégaux. C'est-à-dire sur le langage rythmique, disons Stravinsky-Bartok, pour simplifier les choses. Oui, certainement, on ne le fait pas assez. Ça, on ne le fait pas assez. On fait encore le solfège à 4-4, à 3-4, etc. Et même si les valeurs sont plus compliquées, mais c'est cette pulsation irrégulière, à mon avis, qui est indispensable à bien apprendre et à bien réagir. Et puis, il faut aller plus loin. S'il y avait un solfège vraiment de la seconde moitié du XXe siècle, ça serait un solfège plus complexe. Mais je vois, par exemple, les musiciens de l'ensemble intercontemporain qui ont beaucoup l'habitude de jouer des œuvres assez complexes. Ce sont des choses qui ne leur posent plus aucun problème. Il y a une certaine accoutumance, parce qu'on dit toujours que l'exactitude ruine, disons, la spontanéité. C'est faux. On ne pense plus quand on est très exact et quand on a un solfège qui est tout à fait exact. On n'y pense plus. On le fait, tout simplement. Et donc, c'est pas ça qui va empêcher l'expression ou le tempérament de s'exprimer. Certainement pas. Et donc, ce qui m'intéresse, là, c'est de voir, justement, quel progrès on peut faire par rapport, disons, à ce qu'on faisait il y a 50 ans, tout simplement. J'ai assez d'expérience pour voir combien les choses étaient par moments difficiles il y a 50, 60 ans et combien elles sont devenues beaucoup plus faciles maintenant, surtout avec des gens qui travaillent dans ce domaine. Pas plus vite maintenant, pas plus vite. Do, ré, mi, fa, sol, la, sol. Non, regardez, il y a quelque chose qui me gêne, moi, là. Vous n'avez pas le rythme. Il fait do, fa, la, do, c'est-à-dire il fait quatre doubles croches. Et ce que vous devez entendre, c'est ta 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 ti ta ti ya ta 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 ya ta 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 pa 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 ya ta ta ta. Hein, ça, c'est ce que vous devez entendre. Oui, oui. Demandez-le. Ta 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 ta, un peu plus rapide. Triolet, un triolet, maman. Hein? C'est pas un peu plus rapide, c'est un triolet. Directement là-dessus, c'est 132. Et surtout, faites-le rapidement, parce que c'est très fatigant pour les lèvres. Oui. Donc il faut dire vraiment très précisément tout ce que vous voulez et le faire une ou deux fois, fini, et vous gardez pour la prochaine répétition. D'accord. Une avant 132, s'il vous plaît, pour l'enchaînement.
Alors là maintenant, diminue presque rien. Hein. Du calme. Et oui, il faut le faire, je dis, il faut le faire. Sans ça, vous entendez do, ré, do, fa, c'est pas grand chose. Hein. Donc si vous ne mettez pas vraiment quelque chose dedans, ça ne sortira pas. Je peux le faire? Mais bien sûr. Oui, regarde, mais oui, il faut en même temps que ce soit un geste pas dur, mais un geste très précis. Regardez, faites ça, les deux dernières mesures, les deux dernières mesures. Tim, tim, pam, pam. Je pince la corde, pouf, simplement ça. Et vous avez un pizzicato qui est ensemble, mais qui sonne pas plouc. Comme ça, hein? Conducting is a very, very complex activity. First at all, you need a lot of knowledge about music. Good ears are important. A good technique is maybe not necessary, but more and more necessary today when the budget is smaller and smaller, and you have to produce shorter and shorter rehearsal time. Really important conductors have a completely different technique, completely different way of gestures, and who can say what is good, what is bad, but it's very difficult to teach. The most important thing for me, to get the own character of the conductor, the personality, and to develop this personality in a good way that it works really with the orchestra. But how to talk to the orchestra, how to keep in touch with the orchestra, how important are the first, how important is it how people come in until the desk? Very often an orchestra has already a preconception already. You know, it's from the daily life. You go to an office, two different people go to the office, somebody can manage the goal, somebody cannot. How to deal, how to talk, how to keep in touch. It's not only musical skin decides, but also the personality, how you keep in touch with somebody. Ça vient comme ça, ouais. C'est bien meilleur maintenant. Mmh. Alors, faites-le une fois en entier. Hein? Allez. Et soyez intense maintenant. Ce sont des pièces qui sont très courtes, il faut très concentrer, il faut vraiment que ça soit très intense. Mmh. Hein? Ouais. Et pensez plus aux problèmes techniques, même si vous faites une erreur, je m'en fous, que ça soit quelque chose. Ouais, hein? Enfin, j'aime autant qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais enfin, on va essayer. Webern is really, really difficult to conduct. There are two different parts of why is it so difficult, at least two. One is the aspect of the musicians who are sitting in the orchestra, and sometimes they have only porori, tiroro. And in the whole movement, they have only two small things to do. So they get the part, they look at it, it's easy. I do it in the rehearsal. And then we figure it out how difficult is it, because this tarari, it's in the middle of a sentence which was started by another instrument, was followed by another one, a second one, and a third one, and I have to put my tarari exactly so that after me somebody can do the tak-tak and then tartirara. To have a phrase
And it's I can give the example if I say a sentence, and then we share with five people the same sentence word by words. And maybe one bass, one soprano, one baritone, a tenor, and tanam, completely different timbre of speaking voice, and how to make a kind of phrase of it that it will be harmonic. This is the main difficulty. Usually for this, a conductor has to be a very good musician, should have a good education in chamber music, to be able to control this action. And the other problem is for the conductor that the form is so small, and sometimes in one single bar or in one phrase for what Beethoven took 9 minutes, a whole sonata form is in one bar. So it's the form is pressed together in a essential form, which is very short. 2, 3, 4. Un, deux, trois, quatre, cinq. Continuez. Voilà, ça c'est bien. Alors, maintenant faites les trompettes avec les flûtes et la harpe. Ouais. Vous voyez, là, ce que je fais, c'est exprès, je le fais pour démontrer devant tout le monde comment on construit une interprétation et une exécution. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez de la partition. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais communiquer quoi que ce soit. Donc, quand je prends les morceaux les uns après les autres, c'est parce que les trompettes, les deux flûtes et la harpe sont tout à fait faits ensemble et sont ensemble. Après, je vais ajouter les cordes. Hein, mais d'abord, je vais travailler ça indépendamment, ensuite les cordes indépendamment, et puis après, je mets le tout. Oui. Mais je le mets en faveur de quoi correspond à quoi. Hein. Et c'est ça que je trouve qui manque. C'est que, bon, vous connaissez la partition certainement comme ça, mais je comprends qu'avec vous ne pouvez pas avoir l'expérience que j'ai. Mais c'est en même temps, il faut réfléchir, qu'est-ce que je veux travailler? Qu'est-ce qui va être difficile? Qu'est-ce qui va être simple? C'est ça qui est important. Parce que sur une chose simple, ça peut être manqué 2 ou 3 fois, mais c'est fini. Mais sur une chose aussi précise que ça, il faut l'avoir tout de suite très précis. I used to say to the students that find between the line the human gesture. What is the situation? If we speak about 16ths and rhythmical level and all of the notes, it's very nice. It can be perfectly well played and it's still cold and doesn't mean anything. There is behind of the notes something after that you managed everything well. It's a higher level when it gets to be human and you would like to say something with this music. I used to say to or ask that why do you would like to conduct this piece? Hopefully not because we choose this piece and you have to because you are a student. But if you stand there by the desk and you have the musicians and you will have an audience, what do you would like to say with this piece? And this is the point. And if you don't forget this level, on somehow the 16th, the dynamic, the even the intonation will be better. Now, comment voulez-vous obtenir quelque chose si vous faites ce geste-là? Un, ta, ta, ta. Ça signifie rien ce que vous voulez entendre. Yatta, yappa. C'est ça qu'il faut donner. Si tam, yam pam, taram, 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 yattam. Pim pam. Hein? Donnez vraiment de la force. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, au contraire, c'est pianissimo. Donc vous boitez toujours de la même façon. Yatta, yatta. 1, 2, 3, j'attends quelque chose. Et de nouveau, ça vient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. C'est ça. Et le dernier aussi, de nouveau, très fort, hein? Ouais. Très fort et vite. Ouais, ouais. Allez-y encore, vous, c'est pas là encore. Hein? Allez-y. Mais vraiment, mettez-y de la foi, hein, ouais, vraiment. Ouais.
1, 2, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche. Allez-y, faites tout seul maintenant. La même, mais tout seul. Qu'est-ce qui est le plus difficile, selon vous, pour un jeune étudiant, notamment dans la gestion des tempi entre Stravinsky et Webern? Ah, je pense que Webern est plus difficile, certainement. La deuxième pièce de Webern est certainement beaucoup plus difficile que la danse de Petrushka, certainement que la danse des marionnettes. Mais dans Webern, oui, il y a la difficulté de la fin de la deuxième pièce avec cette alternance qu'il a ajoutée après la version originale. Il a ajouté ces changements de tempo. Vous préférez la version... Je préfère cette version-là, la seconde version. D'accord. Mais moi, quand je joue la version originale, avec tous les instruments qui sont supposés, en particulier, au lieu d'un piccolo, on a une clarinette piccolo, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et puis à un moment donné, au lieu d'une trompette, on a une flûte en sol. Je veux dire, les timbres sont plus intéressants en soi. Mais à la fin de cette deuxième pièce, j'utilise les changements de tempo qu'il a mis dans la version originale, dis-moi. Et ça, oui, je pense que quelquefois, probablement parce qu'il a eu des déceptions avec les exécutions de son époque, alors il a simplifié. Et je me méfie, je trouve que je ne simplifie jamais personnellement, parce que je trouve que si on ne peut pas le faire à un certain moment, il est très probable que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera très, très possible de le faire. Il ne faut pas aller dans l'absurde non plus. Il y a des partitions, par exemple, où il y a des 27 pour 24, etc. Ça, je ne crois pas beaucoup à ce genre de complications. Je dis bien, ce n'est pas de la complexité, c'est de la complication. Mais les choses qui peuvent paraître difficiles et peuvent paraître vraiment presque impossibles à un moment donné, on trouve un moyen de les résoudre, toujours. Oui, alors, qu'est-ce que vous avez à la basse, hein? Entre le troisième trombone et le tuba, vous avez des quintes, juste. Ouais. On fait ça. C'est pas exactement là. Hein. On fait ça à 6, on pose une fois l'accord, tuba et trombone 3. Donc d'abord tuba. Non, mi bémol. Merci, oui, c'était plus juste là maintenant. Ouais. C'est une quinte juste, vous avez la grave et mi grave, et mi bémol grave. La, mi. Ouais. Faites-moi ça encore une fois. Encore. D'abord, tu bats. Voilà, ça c'est ça, juste c'est maintenant. Maintenant, faites les trois autres. Ouais. Ce sont des cartes aussi. Si bémol, mi bémol, la bémol. Cor 3, 4, trombone 2. La, mi, si bémol. Ouais, tout le monde en sent un peu plus fort. Le quatrième corps, on n'entend rien. On est à 6, pardon. On pose l'accord à 6. Voilà, maintenant ça va. Alors faites plus les deux autres maintenant. Et vous avez un accord qui va sonner juste. Mais quand vous avez un accord un peu compliqué, vous prenez des choses diatoniques, vous choisissez les choses diatoniques dans l'accord. Vous avez les deux choses diatoniques, c'est la mi, si bémol, mi bémol, la bémol. Donc vous accordez la mi, vous accordez si bémol, la bémol, la bémol, vous joignez. En principe, ça doit être juste. Hein? Alors joignons. Donc tout le monde sur 6, enfin l'accord, les mêmes sur l'accord. Ouais. C'est juste, hein? Ouais, d'accord, ok. J'avais un petit doute sur le... Mais... Et il y a un doute, allez, pas de mal. All of four pieces of this week, what Mr. Boulez has chosen, are incredibly difficult. Usually, young conductors don't get these pieces because you get it much, much later. First of all, the orchestras, in the case of Schoenberg, Stravinsky and Bartók, are really very large. It's a big medium, and how to keep together this big medium is in itself a very interesting subject. And these pieces were ultra modern, is no question. However, Webern is late romantic. He is looking for the same like Mahler, only on a completely different way. If I would like to have a similarity in the literature, what is Proust in the literature, this is Mahler in the music. What is Rilke in the literature, this is Webern.
but we are looking for the same each time. That the form, the length, the way of expression is different, but the goal is the same. This is my feeling about it. Schoenberg, the Variations, is one of the most difficult pieces to not necessarily to conduct, but to control it. To arrive a level and the assurance that you can have a kind of distance, a positive distance from an orchestra to hear everything from outside. If you take part very much, you cannot control this piece. But this piece is also full with sense of humor, with late romantic gestures, but with a language which is completely 20th century way of composing. Voilà. Un, deux. Calme. Vous n'êtes pas du tout calme intérieurement, ça non, se voit. C'est pas facile. Oui. Voilà. Si. Vous vous laissez envahir par la sonorité. D'accord. Hein? Le chef, ça donne, mais ça reçoit. Mm-hmm. Et tant que vous ne recevez pas, vous ne pouvez pas donner. D'accord. Hein? Très bien. Si. Sol. Non, vous recommencez votre poco ritenuto, c'est beaucoup trop lent. Di da. Non, c'est pas. Ya da di da di da ti da ti da ti da ti. Très peu, cette très peu. Non, sans subdiviser du tout. D'accord. Un, deux, trois, quatre. Oui, non, ne faites pas ça non ouais, plus. Oui, hein. je sais pas. Non, j'ai pas mis votre bras tout à l'heure en fait. Deux, tam, pi, je fais rien. Un, deux, et. Ah, d'accord. Un, simplement ça. Mais pas décomposé. Deux, tim, c'est-à-dire que dans le même geste, vous donnez le départ. D'accord. Un, deux, tiram. Et même si vous le donnez le départ très bien, c'est pas nécessaire. Un, deux, tiram. Avec un bon 2, ça suffit. Quelquefois, ça ne suffit pas, donc vous le changez, mais là, ça suffit. Conducting is a reaction. You give and receive. Very often, I see that some conductors don't turn on the receiver. They look like a radio station which only give information. Give information, but they don't take care about it. Are the receivers on or not? Because this is a kind of work between human beings. I think, I'm sure, in fact, that playing music is contradictionary. So if it's like this, I have to react. I cannot decide how it will be exactly, because it depends on the musicians who are playing. Parce que c'est pas ça justement la difficulté pour un jeune chef d'orchestre, d'être à la fois très recentré sur ce qu'il est en train de faire et d'être à l'écoute de... This is very difficult for a young conductor who is not sure yet in a lot of things, or who is not free yet enough to get new information. Voilà, vous avez, pensez à la phrase, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 mesures. 1, si, mi, fa, la, ré, le, sol, si, si, do, ça c'est le premier élément de phrase. Mm. Ensuite, mi, fa, la, si, mi, la, si, do, si, si, la, da, ré, deuxième phrase. Troisième phrase, 1, do, si, sol, do, ré. Il faut savoir analyser ça pour savoir ce que vous voulez faire. Oui, oui. Tant que vous l'analysez pas, que vous avez une mesure après une mesure après une mesure, c'est emmerdant comme la pluie. Je m'excuse de vous le dire, mais vraiment, et on ne sait pas où vous allez surtout. Hein? Oui, pourtant j'ai ça en tête, mais... Ben, peut-être vous l'avez en tête, mais ce n'est pas dans vos bras. Oui, en tout oui, cas, oui, hein? Oui. Je pense que ce qui serait très important, c'est de créer en même temps qu'une classe de direction, une classe d'analyse en fonction de la direction. C'est-à-dire une analyse pragmatique. Je ne dis pas de faire des théories sur l'écriture ou des développements sur la possibilité d'écrire ceci ou cela, ou d'avoir une grammaire, ou de forger des éléments de vocabulaire, etc. Ça, ce ne sont pas des choses qui
sont du ressort du chef d'orchestre à proprement parler, mais au contraire, comment une partition est agencée? Quelle est l'économie de la partition, si on peut dire? À quel moment il faut se ménager? Disons, l'intérêt ou l'attention? Ça, c'est très, très, très important. Et ça serait une espèce de double analyse en même temps, qui serait basée à la fois sur la structure et sur le sentiment qu'on a de cette structure, ce qui n'est pas si facile que ça dans tous les cas. Allez-y, courage. Laissez courir sa assise. Fin de phrase. Début de phrase. Mi, fa, la. Maximum de la phrase. Si, mi, mi, la. Fin de phrase. Nouvelle phrase. 1. Do, si, sol, 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 do, ré. La, fa, mi. Et nouvelle phrase. 1. If you look at the development of the music history, the button is smaller and smaller and smaller, and in the end there is no button. If you start from Lully and another, I had in my hand the button of Franz Liszt. It was from ivory, and the end with 22 carats of gold piece. And I took it in the hand, and oof, I was already. It was very, very heavy. I cannot understand how people could use this at all. Probably it was only to showing that he's rich and he's the king. I think it's absolutely not necessary. I learned the technique to conduct with the button, but I feel myself much more free to express feelings and technically it's more easier for me to speak with my hands. I think Pierre Boulez told what time that he has 10 buttons. Je regarde les gens qui dirigent avec une baguette, bon, très bien, je dis si ça les aide, tant mieux. Moi, ça ne m'aide pas, ça me gêne, parce que j'aime avoir les deux mains souples et les deux mains ouvertes ou fermées. Tandis que dans le cas de la baguette, on a une main automatiquement fermée. Et donc, ça me gêne. Alors, il y a des compromis, il y a des gens qui, dans les mouvements lents ou dans les passages lents, laissent la baguette sur le côté ou la mettent dans leur main gauche et font du théâtre un peu avec la main droite. Mais à part ça, moi, ça ne me gêne pas du tout, je dois dire. Personnellement, je dois dire, c'est non pas par nécessité, mais par habitude, parce que j'ai été habitué au départ à diriger des tout petits ensembles, et donc avec des tout petits ensembles, vous n'avez pas besoin vraiment d'une baguette, ou alors vous avez besoin d'un tout petit bout de crayon, pas plus, si je peux dire. Et donc j'ai commencé comme ça. Et quand je me suis trouvé face à un plus grand nombre de musiciens, je n'ai pas changé ma méthode. Et à vrai dire, enfin, d'après ce que même un musicien m'a fait réflexion, non, ce qui compte, c'est le bras, ce n'est pas la main. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le prolongement par la baguette. La baguette, si vous voulez, ne fait pas des choses plus précises. Mais il y a des gens qui savent très bien s'en servir, comme Mazel, par exemple, et puis des gens qui savent très bien servir de leurs mains. Oui, recommencez. Qu'est-ce qui ne va pas là, exactement? C'est que les violons ne sont pas exactement ensemble tout le temps. Hein? Il y en a qui anticipent un peu le son, alors ça fait un son qui arrive l'un après l'autre, comme ça. Il faut vraiment qu'on entende le début du son tout à fait ensemble. Mais il faut que vous les aidiez pour ça. Si vous faites simplement un son comme ça, là, il va au fa, sol, à l'allemande. Hein, c'est à l'autrichienne aussi, germanique. C'est-à-dire que ti-la-ri-la, le son arrive un tout petit peu après, vous avez l'impression, mais c'est un son qui tient. Hein? D'accord. Okay. C'est pas français, ça, hein, comme son. Il faut vraiment qu'on ait ti-la-ri-la-ri-la, c'est le son de Brahms aussi. Hein? Mi, sol, fa, li. Et la menu. Do, si, si.
Oui, vous je vois, vous n'appuyez pas sur le son. Hein. Vous faites ça long, mais ce n'est pas un enfoncer le son. Ti, ya, di, la, et vous obtenez. Regardez, on le fait une fois, quatre sons seulement. Un, deux, li, di, la, di, ya. Vous entendez comme le son est différent? Oui, ouais, d'accord. Non, vous ne le donnez pas. Comment peuvent-ils démarrer vraiment si vous faites une chose qui n'est pas précise? Un, quand je veux le son, je pousse jusqu'au bout pour le son, mais je m'arrête. Et là, je veux le son. Hein? Vous allez regarder. Je prends quatre sons seulement. Un, deux, yali. Voilà. D'accord. Allez-y. Et oui, n'oubliez pas, si je ne me trompe pas, il y a des crescendo et des crescendo hein, au départ. Hein? Tira, tira, et après vous laissez couler. Un, deux, un, deux, un, deux, tira. Plus loin. Un. Voilà. Ouais. Vous voyez, c'est une d'accord, autre façon de diriger, ouais. Hein, ça. C'est vraiment, il faut que ce soit du son. Il y a une certaine tradition allemande qui est là et qu'il faut respecter, hein, au point de vue sonore. Si un étudiant se revendiquait de la direction de Pierre Boulez, est-ce que ça vous gênerait? Non, je dirais simplement qu'il a pris des leçons avec moi, point final. C'est-à-dire que, oui, j'ai pu lui transmettre un certain degré du savoir, qui n'est pas très haut, d'ailleurs. Mais c'est tout ce que je pourrais dire. Essayez de faire vôtre, moi, ce que je fais, mais de le faire vôtre, et surtout de ne pas essayer simplement de copier un geste. Parce que je vois très bien, c'est pour ça que je l'ai dit ce matin encore, quand je donne un geste, ils essayent de le copier, et le copier, c'est maladroit, ça devient une caricature, tout simplement. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est regarder une espèce de méthode que j'emploie pour obtenir certaines choses. Et puis, bon, et que vous ayez trouvé votre propre langage. I think now you are quite well prepared for him, and he has chance also to do something. But the most important thing that you are able to invent anything what he says, and you can change. This is very important. The most important thing for us to be able to change, but immediately if it's necessary. I think that our job here in the conservatoire to give the chance for conductors to try and to learn different styles. Different kind of music, not only old and new, everything. If somebody comes out from this class, is ready for the life. Of course, we are never ready. The conducting is learning in the whole life.